Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire sur le futur de la publicité qui vient ou qui advient pendant ce confinement et pendant cette crise sanitaire. Et on a le plaisir aujourd'hui de recevoir pour décortiquer, pour décrypter, pour dévoiler un peu ce futur de la publicité, Christian Gattard, sociologue et président du comptoir prospectiviste. Christian Gattard, bonjour. Bonjour. Alors, comment ça se passe à Paris? Ça se déconfine ou pas encore? Là, on a prévu de commencer à déconfiner lundi, mais comme toujours en France, c'est très contesté et donc personne n'est d'accord. Tout le monde est un peu inquiet. Ça va se faire par palier sur la France entière. Mais Paris est la zone sans doute la plus rouge. La zone rouge, c'est la zone la plus chargée. Alors, Eh ben, on va le faire tout doucement, mais enfin bon, on sort faire des courses, je sors faire du vélo, je sors marcher, prudemment et avec un masque, bien sûr. merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Je tiens juste à rappeler, avant de vous donner la parole, je tiens juste à rappeler certaines règles au webinaire. On n'est pas dans une conf call, on est dans un webinaire où vos micros sont coupés, mais vous pouvez lever la main ou poser vos questions sur la fenêtre de chat qui est dédiée à cette fonction qui est en haut à droite de votre écran. Donc, qui sommes-nous? Nous sommes Digital & Co et nous sommes un cabinet conseil en communication digitale depuis plus de 2 ans et nous sommes dans la contribution, l'entraide et la synergie. Nos expertises sont l'audit, le conseil et la formation dans tout ce qui est communication et transformation digitale. Nous avons aussi Digital Native qui offre ses services dans l'activation digitale et qui plaide et milite pour une croissance responsable et durable. Voilà. Donc, avant de donner la parole à notre invité, Christian Gattard, pour décrypter le futur de la publicité à l'aune de la crise sanitaire en cours. Je tiens juste à rappeler que Christian est sociologue, auteur et président du comptoir prospectiviste, mais aussi auteur de plusieurs livres dont Mythologie. C'est un livre ou un ouvrage très intéressant qui décrypte un petit peu le futur de la mythologie. Je vais vous lire la première phrase de sa quatrième de couve. Le futur n'est pas ce que l'on croit, on le fabrique au jugé. Chaque jour, on ne sait pas trop où on va, mais on y va. N'est-ce pas, Christian? Oui, merci de cette invitation, c'est passionnant. C'est vrai que j'aurais préféré être avec vous au Maroc, où j'ai eu l'occasion souvent de me rendre et où nous avons pu, mon cher Yasser, déjà travailler ensemble. Et donc, en fait, mon travail, pour expliciter la façon dont je réfléchis précisément à ce futur de la publicité, eh bien, je dirais d'abord, j'ai fait plusieurs. J'allais dire décennies d'études et de recherches en ayant dirigé et continué de diriger une société d'études qualitatives internationales et puis avoir monté et pris la direction donc du comptoir prospectiviste dont l'objectif est d'essayer de réfléchir à ce qui peut se passer demain. Alors c'est particulièrement évidemment sensible aujourd'hui où tout le monde se pose la question de savoir de quoi le monde qui vient sera fait. Mon propos est d'essayer de comprendre, en m'intéressant à ce qui se passe dans la culture, dans l'économie, pour essayer de prendre de l'avance sur l'avenir, et puis de réfléchir à ce que précisément Yasser appelait mes mythologies, les mythologies contemporaines, les mythologies du futur, c'est quels sont au fond les grands récits qui comptent aujourd'hui, quels sont, j'allais dire, les légendes d'aujourd'hui, et c'est particulièrement pertinent par rapport à la publicité, dont le rôle est précisément de raconter des choses, le storytelling de la publicité, il est là. Et donc c'est ça qui va nous intéresser, je vais essayer d'explorer avec vous ce qu'il en est aujourd'hui dans cette aventure. Alors, il est vrai que la publicité est particulièrement fragilisée par la situation actuelle.
et que cette situation actuelle de crise va certainement se prolonger. On va certainement aller de crise en crise, alors que ce soit des crises sanitaires, bien sûr. Personne n'est dupe de cette crise sanitaire. Elle va déboucher après, dès maintenant peut-être, certainement, sur une crise économique. Et puis, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette crise d'imaginaire. C'est-à-dire, en fait, à quoi va-t-on pouvoir s'adosser pour raconter des choses qui soient crédibles, qui soient solides par rapport à une population, et ce n'est pas simplement en France, c'est vraiment dans le monde entier, des audiences, des publics, des consommateurs qui sont de plus en plus sceptiques sur les grandes institutions, sur le politique, sur un peu jusqu'à maintenant, en tout cas, les marques. Les consommateurs sont relativement cyniques par rapport à ça. Leur crédibilité vis-à-vis de la publicité, elle est mise en cause. Alors, que se passe-t-il? Alors, il y a une première chose évidente, le futur technologique est à notre porte. Le futur technologique, il est là avec la réalité virtuelle augmentée, les impressions 3D, la blockchain, tous ces éléments-là sont évidemment importants. Mais à mon sens, ça n'est pas le plus important. Les technologies, finalement, on a toujours accepté des nouvelles donnes technologiques, on s'y est fait, même nos smartphones, il y a 10-15 ans, étaient quasiment impensables. Tout ce qu'on arrive à faire, même aujourd'hui, ne serait-ce que d'arriver aujourd'hui à avoir cette conversation à des centaines de kilomètres de distance, et tous ensemble, et tous confinés chez nous, en l'occurrence. Donc là, la technologie a un apport extrêmement intéressant. Elle va certainement nous amener, et c'est important dans la publicité, à réfléchir à ce que sera une hyper-personnalisation. Toutes ces technologies vont certainement nous amener à mieux comprendre ce que chacun va attendre, quels sont les horizons d'attente de chacun, qu'est-ce qu'il y a au bout du compte que les gens attendent. Alors, avant de parler d'un futur avenir, c'est important de parler immédiatement de ce qui se passe. Alors, toutes les études que je mène aujourd'hui, toutes les lectures que je peux faire, les échanges que j'ai avec mes collègues, montre, et ça c'est peut-être une bonne nouvelle, que les marques qui ont été un peu vilipendées ces derniers temps et tout, sont en ce moment des valeurs refuges. C'est des valeurs refuges parce qu'on attend d'elles, et ça c'est un discours très important pour les publicitaires, on attend d'elles qu'elles mettent en avant des perspectives positives. Les millennials dont on parle tant ont besoin que les marques communiquent sur leurs valeurs et leurs actes. Les marques, les entreprises vont devoir s'investir dans la fameuse RSE, dans la responsabilité sociale des entreprises, vont devoir s'y investir et en parler. Donc là, il y a un côté extrêmement important, c'est que la publicité ne va pas être que des histoires qu'on raconte, elle va très certainement être des histoires que l'on prouve sur le terrain. Donc, ces éléments-là, c'est très important. On est aujourd'hui dans un moment où il y a besoin de rassurer et les marques ont ce potentiel pour rassurer les consommateurs. Parce que, très concrètement, aujourd'hui, évidemment, les comportements des consommateurs sont en tension. On a pu observer des achats paniques dans le commerce de détail et dans les grandes surfaces. Ces achats, d'ailleurs, c'est intéressant parce que les chiffres montrent que les consommateurs ont plutôt eu tendance à acheter des produits classiques, rassurants, qui vont dans la ligne actuelle aujourd'hui, du côté écologique, du côté naturel, du côté équitable, bref, qui fait du bien à la planète. On voit bien qu'il y a ce besoin, dans ce moment un peu angoissant, de trouver de quoi se rassurer. Aujourd'hui, avec ce confinement, on est en train de constater un énorme développement, grosso modo, de ce qu'on pourrait appeler le « click and collect », c'est bref, tout ce qui va tourner autour de la technologie, précisément. On rentre dans une ère de sans contact.
Alors ça aussi, c'est important parce que ce futur du shopping à travers l'intelligence artificielle, peut-être demain les drones qui livreront, les caissiers qui pourront peut-être disparaître des supermarchés à la manière des magasins d'Amazon, les traitements logistiques avec les robots de livraison, peut-être même l'impression 3D à la maison, tous ces éléments-là sont effectivement importants. Mais encore une fois, j'insiste, ce n'est pas la technologie qui va bouleverser la publicité, c'est l'imaginaire des représentations. C'est la façon dont on voit le monde et c'est le discours que les gens attendent aujourd'hui par rapport à ça. Alors le discours, il y en a beaucoup, et il y a beaucoup d'attitudes qui sont très différentes. Les uns ont une peur panique, précisément, du futur. Ils ont l'impression qu'on est à la fin du monde. Les autres sont dans une sorte de cauchemar récurrent où précisément on va aller de crise en crise. Et puis il y en a, ça c'est intéressant, il faudra absolument suivre de près, il y en a qui pensent que peut-être on va avoir de nouvelles habitudes, de nouvelles mœurs, de nouvelles façons de voir les choses. Et c'est tout cet enjeu autour de la croissance. De quoi va-t-elle être cette croissance? Est-ce qu'on va repartir comme avant, business as usual, et on va rattraper le temps perdu en matière de consommation, en matière de consommation capitaliste? Ou est-ce qu'on va se réorganiser, réorganiser nos méthodes de travail, utiliser davantage ce que nous sommes en train de faire cet après-midi, hein, sur la façon dont on communique? Question intéressante, même que j'aimerais vous poser à vous qui êtes là en train d'écouter et nous allons pouvoir en parler. Est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce qu'il y a un côté chaleureux qui disparaît? Est-ce qu'on le rattrape peut-être par la façon de parler, par la façon de s'interpeller à travers ces éléments? C'est important parce que c'est aussi comme ça qu'il faut réfléchir à la façon dont vous allez pouvoir parler à vos consommateurs. Quels sont les modes de communication qui seront les plus sincères, qui seront les plus généreux, qui seront les plus chaleureux, et c'est de cela dont ils ont besoin. Parce que je dirais qu'il y a, il me semble, trois grands territoires sur lesquels vous allez devoir communiquer à un moment donné, devoir prendre une position en fonction de vos produits, en fonction de vos stratégies. Il y en a une qui est une accélération. D'ailleurs, toutes sont des accélérations de choses qui sont en train de se passer. Il y en a une qui est très importante, c'est que moi j'avais depuis plusieurs années bien ressenti, puis c'était quelque chose de partagé, la volonté des consommateurs d'avoir des relations de plus en plus sensuelles, des sensations de plus en plus fortes avec les produits, avec la publicité. Bref, l'idée d'un divertissement. La publicité comme divertissement pour un consommateur qui a envie de jouir de la vie quotidienne, de la vie immédiate, et d'être à fond dans cette consommation un peu spectaculaire, du ressenti, du toucher, bref, en prendre plein les yeux, quoi. Donc là, il est certain que certaines marques devront choisir leur camp, être parmi celles qui sont les plus divertissantes, spectaculaires, qui racontent des choses de plus en plus fictionnel, un petit peu comme des films de science-fiction à gros budget. Les gens ne croient pas vraiment à l'histoire, mais ils ont envie de cette histoire. Ils ont envie qu'on leur raconte des choses qui sont formidables, qui sont peut-être impossibles, peut-être incroyables, mais dont l'imaginaire est présent. Et ça, c'est quelque chose de puissant. Ce sorte de boulevard publicitaire, il est là, il a fait la richesse des Mad Men d'autrefois. Il a fait la richesse de tout cet univers de la publicité comme divertissement. Elle va devoir se repenser, mais il est certain qu'il y aura des marques qui vont pouvoir peut-être choisir ce territoire. À côté de cela, probablement en contradiction, en tout cas dans une autre direction, dans une bifurcation par rapport à ça, hein, il y a l'idée que les marques devront avertir. La première hypothèse, c'était divertir. À côté, avertir, c'est s'adresser non plus aux citoyens jouisseurs,
du divertissement, mais au citoyen consommateur qui est impliqué dans sa vie quotidienne, impliqué dans la cité et qui a envie que les choses aillent bien à côté de cette frénésie du divertissement, on voit absolument monter en puissance. C'est vrai tous les jours, aussi bien sur Internet que dans les discussions. Alors, on ne peut plus aller dans les discussions de Café du Commerce aujourd'hui, hein, mais on voit bien que les gens s'en emparent dans les conversations de groupe, sur Facebook, sur WhatsApp, etc. C'est ce courant de responsabilité sociétale. Responsabilité sociétale, c'est-à-dire en fait d'essayer d'aller vers ce que je pourrais appeler une sorte de sobriété savante, hein, pour repenser le monde à travers une façon différente de communiquer, parce qu'au bout du compte, une façon différente de consommer, et puis de vivre ensemble. Et ça, c'est la grande question d'aujourd'hui, où tout le monde est en interrogation. Et tous les matins, un expert va prendre la parole pour dire quelque chose en contradiction avec celui de la veille, qui va être d'un côté, oui, on va complètement s'en sortir, on va avoir une vision positive, et puis d'autres qui disent, non, c'est la fin du monde, on va jamais y arriver. Donc cette idée-là d'avertir le citoyen consommateur, c'est l'idée d'une façon de penser que la publicité devra prendre en considération. Rôle éthique, peut-être, rôle moral de la publicité. Donc, deux directions assez différentes, divertissement, avertissement. C'est là la marque au bout du compte. Devra réfléchir à son rôle dans la société, son rôle sociétal. Et puis, il y a une autre dimension qui me paraît évidemment très importante, c'est le produit lui-même, ce que vous vendez. Il ne faut pas oublier qu'après tout, la publicité, elle est là, au moins pour annoncer un produit, pour annoncer quelque chose à vendre. Et puis, en fait, parce que les produits, aujourd'hui, c'est ça qui fait qu'on est ensemble. On existe aussi parce qu'on consomme des choses qui sont importantes pour nous. On a besoin d'être entouré de choses. On a besoin de produits alimentaires pour survivre. On a besoin de produits culturels pour réfléchir, on a besoin de tous ces éléments qui sont très importants. Et la publicité, elle est là pour faire redécouvrir l'essence du produit. Découvrir, redécouvrir, repenser qu'un produit n'est pas qu'un truc comme ça qui est parfaitement superficiel et tout. Non, ça a une vraie importance. Moi, j'ai longtemps pensé que la publicité sur les produits était un petit peu comme autrefois les contes populaires. La publicité, c'est à ce rôle-là, de raconter, comme des contes et légendes d'autrefois, les produits d'aujourd'hui, pour éveiller la curiosité des consommateurs, pour les aider à, je dirais, à se réconcilier avec les produits. Donc voilà, trois éléments très importants qu'un publicitaire du monde d'après doit avoir en tête, hein, c'est divertir, avertir, découvrir. Ces éléments-là doivent être déclinés pour une marque. Et puis, j'aimerais globalement apporter une sorte de conclusion sur la démarche en prenant peut-être un petit peu de hauteur sur trois points qui me paraissent importants. Le grand thème depuis des années, c'est celui de la transparence. Une marque doit-elle être absolument transparente? Jusqu'où peut-elle être transparente? Je me suis beaucoup posé la question là-dessus. Je crois qu'il est impossible d'être totalement transparent. Je crois que même
il y a des secrets de fabrication qu'il est intéressant de garder. Il est intéressant aussi de montrer qu'il y a des choses cachées qui sont intéressantes à découvrir et que, d'abord, sincèrement, on ne peut pas être absolument transparent parce qu'il y aura toujours des choses à découvrir. Donc, il ne faut pas se faire avoir par cette idée de « nous sommes transparents, on vous dit tout », etc. Parce que je crois qu'en fait, les consommateurs n'y croient pas. Ils ne croient pas, ils croient. Alors, ce n'est pas forcément du complotisme, ce n'est pas l'idée qu'il y a toujours des trahisons quelque part. Non, c'est que il faut parler, non pas d'une façon transparente, mais d'une façon sincère. Et c'est cette sincérité qui me paraît extrêmement importante. Le deuxième point, c'est ce que j'appelle l'hybridation du monde. L'hybridation, ça veut dire l'idée qu'on peut se laisser influencer avec bonheur par des cultures différentes, par des sources d'inspiration différentes, qui viennent de l'étranger, qui viennent du voisin d'à côté, qui fait que on a la possibilité, voire le devoir, d'être sans cesse ouvert à ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Hybridation donc culturelle, respect des cultures des autres, les prendre en considération parce que ce sont des enrichissements, et puis hybridation à côté qui est un peu différent, mais l'hybridation homme-machine. On va, ça fait des années qu'on l'a fait, des millénaires, des millions d'années qu'on l'a fait, où on va hybrider l'homme et la machine. Quand on a découvert, quand le premier homme a découvert le premier silex, il s'est servi du premier silex, c'était déjà une hybridation entre homme et machine. Donc, je suis plutôt technophile, j'ai plutôt tendance à penser que la technologie va nous aider, ce que je disais tout à l'heure. Ça n'est pas le bout du monde, ça n'explique pas, ça n'épuise pas tout le sens des choses, mais cette hybridation, cette rencontre, le fait d'accepter la différence, elle est très importante. Et puis le dernier point, auquel je crois beaucoup, c'est ce que j'appelle l'allégeance rebelle. L'allégeance, c'est quoi? L'allégeance, c'est qu'on est obligé de reconnaître un certain nombre de choses qui sont plus fortes que nous. Le réchauffement climatique, on est bien obligé d'y faire allégeance, parce que c'est des choses qui sont en train d'arriver. Il va falloir qu'on travaille là-dessus. Le pouvoir de l'argent. L'argent, il est là et tout. Il faut qu'on fasse allégeance à sa présence actuelle, au vieillissement, à la longévité, à la mort. Tout ça, c'est des choses qui sont évidemment présentes. Mais à l'intérieur de cette forme d'acceptation, il faut savoir se rebeller, au sens être créatif, au sens ne pas se laisser emporter, enfermer dans le conformisme. Il faut avoir cette capacité créative. Et tout le travail du publicitaire de demain sera de travailler sur cette anticipation créative avec une forte lucidité sur les choses qui sont là présentes, mais qui doivent être absolument acceptées comme étant muables. Tout change et tout va changer et la publicité doit chevaucher ce changement. Alors, qu'est-ce qui permet de garder espoir, et je conclurai là-dessus. Je dirais d'abord que toute époque a connu des mutations. Toute époque a été un peu effrayée de ces mutations. La Renaissance européenne était une époque qui effrayait les conservateurs, même si ça excitait les progressistes. Il y a sans arrêt ces éléments-là qui sont à prendre en considération. L'humanité a toujours vécu des crises, nous sommes dans une crise, et je dirais que pour nous aider à sortir des crises, j'ai toujours pensé que l'artiste, une notion d'artiste, et peut-être même le publicitaire en tant qu'artiste, est là pour créer, recréer le monde par petites touches, pas forcément avec des grands effets de manche ou des choses passionnelles comme ça, mais dans l'intimité et la bonne volonté des choses, dans la possibilité de,
de créer des discours, en l'occurrence publicitaires, qui vont respecter les thèmes que j'ai dit, hein, divertir, avertir et découvrir, et certainement de trouver un moyen dans un monde qui, il ne faut pas se faire d'illusions, va être difficile, dans une crise économique qui, effectivement, va être difficile, mais c'est certainement un moyen de garder espoir dans l'avenir. Donc voilà, voilà ce que je voulais échanger. Là, il n'y a pas encore d'échange, mais en tout cas, vous dire avant de prendre des questions et d'essayer d'y répondre. Eh bien, merci Christian pour cette intervention, cette anticipation. Et puis, si j'ai à retenir trois verbes essentiels, si on a tous à retenir trois verbes, c'est divertir, découvrir et avertir. Personnellement, je crois beaucoup en l'avertissement qui va être, à mon sens, qui va corroborer un petit peu le ralentissement, le stop and go qui est annoncé, le confinement, déconfinement, cette crise qui est inédite, hein, qu'on est en train de vivre. Et personnellement, oui, je crois que les trois vont un petit peu apporter leur lot d'idées, de mythes fondateurs aux publicitaires, de storytelling. Et en même temps, c'est l'avertissement, c'est la RSE qui sera, à mon sens, et je peux me tromper, un point focal des entreprises de ce déconfinement. J'ai d'ailleurs une question de la part d'une participante, Ndiaye Fatou Konaté, qui nous dit le rôle, la forme, les éléments que la publicité doit prendre en compte durant cette pandémie, c'est-à-dire durant le confinement. Quel est le rôle, la forme et les éléments que la publicité doit prendre en compte? Là, alors dans un premier temps, je dirais immédiatement, quoi, en 2020, c'est certainement l'idée de respecter ce besoin de rassurer. Il faut que la marque, à travers son produit, à travers sa communication, soit là pour dire « nous sommes de votre côté, nous sommes avec vous, nous vous apportons des perspectives positives, nous aidons à calmer le jeu ». Et donc, vraiment à être de votre côté, c'est-à-dire de trouver une connivence, complicité avec le consommateur. J'ai fait beaucoup d'études très précises, très récemment, sur les attentes des consommateurs à cet égard. Et ce qui fonctionne vraiment, c'est ça, c'est le sentiment que la marque est avec vous. Elle est pas, elle ne prêche pas la bonne parole nécessairement. Elle n'est pas arrogante. Hein, elle est là, présente à vos côtés. Est-ce qu'il ne faut pas arrêter de communiquer complètement, comme ont fait beaucoup de marques? Il y en a qui ont fait très peu de communication pendant cette période de confinement. Il y en a qui ont arrêté complètement de communiquer. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a deux choses. D'abord, elles ont certainement arrêté parce qu'elles avaient peur que l'argent soit dépensé en vain. Elles ont préféré faire des économies, elles ont préféré être prudentes. Ce qui est certain, c'est que celles qui précisément, dans ce sorte de silence radio des marques qui ont peur de se mettre en avant, celles qui arrivent à parler de la façon dont je dis, elles sortent leur épingle du jeu. Je vois bien, là en ce moment, je travaille avec des sociétés d'assurance, par exemple, en France, qui sont en train de prendre la parole, très précisément, en ayant ce discours d'accompagnement, ce discours de compréhension des autres. Et ça fonctionne très bien. Puis j'ai d'autres, enfin, c'est amusant parce que j'ai aussi d'autres clients dans le domaine de l'alimentation. Et Dieu sait si l'alimentation est un sujet fort en ce moment, qui justement sont en train de reprendre parole pour montrer très simplement comment faire presque des économies, comment bien cuisiner les pommes de terre, presque, par exemple, une façon très très concrète, quoi. Et être à côté des consommateurs. D'accord, ben vous le dites très bien dans votre article qui a été publié sur The Rolling Notes, ce webinaire. Les marques les plus audacieuses
tirant leur épingle du jeu de ce confinement et de ces crises successives qui s'annoncent, n'est-ce pas? Absolument. Donc de l'audace, il en faut, je pense, dans les trois configurations, que l'on soit, je pense, dans la découverte, que l'on soit dans le divertissement ou dans l'avertissement, l'audace est importante, n'est-ce pas? Absolument. Absolument. D'accord. J'ai une autre question sur le déconfinement. Quel serait justement ce rôle, cette forme, et peut-être quelles seraient les bonnes pratiques en publicité dans cette période de déconfinement qui est annoncée le 11 en France et le 20 au Maroc? Ça, c'est une très bonne question, effectivement. Alors là, ce que je pense, c'est que chaque marque, chaque entreprise doit être dans sa propre logique. Hein. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre son ADN, hein, ses valeurs, les valeurs qui sont reconnues par les consommateurs, et rester dans ces valeurs, accompagner les consommateurs qui vont ressortir dans la rue, qui vont aller faire leurs courses, qui vont peut-être se saluer dans la rue, même avec des gestes du coude, avec des gestes barrières. Mais les marques devront avoir cette démarche. Et, à mon avis, très important, avec humour. Et que dans une situation où qui est forcément un peu anxiogène, des marques qui auront suffisamment de savoir-faire, de délicatesse peut-être, pour présenter les choses avec une sorte de légèreté, hein, qui leur permet précisément là encore d'être en contact avec les consommateurs, d'être en contact avec l'émotion du consommateur, ça me paraît très important. Respecter ses valeurs et avoir une forme d'humour, de connexion avec les consommateurs. Est-ce que justement, avant d'aller sur une question qui est très intéressante posée par Reda, je poserai une question sur l'humour justement que vous évoquez et qui est hyper présent dans le premier vecteur qui est le divertissement. Par contre, dans le deuxième qui est l'avertissement, est-ce qu'on peut parler d'amour au lieu de Ah, parler d'humour? très bonne remarque, très bonne remarque. Alors, oui, mais attention, ça reste de la publicité. Ce n'est pas un prêche religieux. Hein. Et donc, là encore, il faut certainement le faire avec, sinon amour, bienveillance, quoi. Le mot amour est peut-être un petit peu fort, quoi, par rapport à ça. Mais respect, bienveillance, compréhension, oui, ça, absolument. Mais sans pour autant éliminer une certaine forme d'humour, hein, qui sera toujours un peu le moteur indispensable. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Hein. Ok, alors la question sur la RSE qui nous vient de Reda, elle dit, est-ce que la communication RSE ne risque pas d'être perçue comme opportuniste par les consommateurs si tous les annonceurs s'y mettent? Ça, c'est un vrai sujet que je dois traiter vraiment tous les jours en ce moment, absolument. Et là, l'idée, c'est la preuve. C'est la notion de preuve que l'on peut apporter au consommateur. La preuve qui sera pas simplement affichée dans un film publicitaire ou dans une annonce ou dans une affiche, mais qui sera relayée sur le terrain. Des preuves, en ce moment, c'est les preuves d'entreprises qui se sont investies pour proposer des masques, par exemple, proposer du gel. Ça, c'est des preuves très concrètes pour aider les plus pauvres, pour aider les employés dans leur trajet quotidien pour aller au boulot. Des choses très, très concrètes. Et c'est ces preuves-là qui sont importantes. Et c'est vrai, à la limite, je répondrai. Allez là, cette idée-là, elle est intéressante. Si toutes les marques et les entreprises s'y mettaient et faisaient un bon boulot à cet égard, et un boulot sérieux, preuve à l'appui, ça serait formidable. Hein. Ça serait une façon de revivre ensemble avec les marques qui serait extrêmement positive. Merci Christian d'avoir répondu à toutes ces questions.
pour l'intervention. Ben, avant de mettre fin à ce webinaire qui était franchement très passionnant, je vais juste revenir sur notre programme du mois de mai. Donc, on a un programme de mois de mai qui est très, très, très chargé, dans le sens positif du terme, bien évidemment. Donc, on est presque abondant en webinaire. Le 11 mai, donc le lundi prochain, on a un super webinaire avec Olivier Zara, auteur, consultant, formateur et fondateur de Axiopole. C'est un spécialiste de l'excellence décisionnelle. Donc, tous les managers ici présents et même vos contacts qui s'intéressent au management digital, c'est le père du manager digital. Donc, c'est une approche qui est dans l'excellence décisionnelle et aussi dans l'excellence opérationnelle. C'est à ne pas rater, ça va durer une quarantaine de minutes pour défricher justement cette tendance. Et puis, on reviendra vers notre thème de prédilection. Je sais qu'il y a eu beaucoup de débats ces derniers temps sur le télétravail, l'inefficience du télétravail au Maroc, mais nous, on y croit et on persévère, on persiste et on signe. Donc, télétravail et collaboratif à distance 5 avec Meriem Bentoudja sur le volet juridique. Après, on aura le volet cybersécurité. Ça, c'est un volet qui est hyper important, vu les technologies qui aujourd'hui envahissent un petit peu aussi bien nos bureaux que nos maisons. Et puis, la cybersécurité reste un point focal, à notre avis, qui est à traiter absolument. On va recevoir Mohamed Tmart, qui est une référence au Maroc de la sécurité informatique et la sécurité des données. Puis, on va s'atteler sur la gestion de projet le 21 mai pour ensuite conclure avec le bien-être et l'épanouissement au travail. À rappeler aussi notre table ronde en collaboration et en partenariat avec l'ADD, l'Agence de développement du digital, qui va avoir lieu le samedi 16 mai avec la participation d'une brochette d'experts dont Mohamed Faisal Nebri, Head of Strategy Department à l'Agence du développement du digital, Mohsin Khlissi, qu'on ne présente plus, Karim Aghanem, Mohamed Zouak, Driss Lebat et le fameux Abdelkhalek Zine. Donc, tout un programme à l'horizon. Vous avez les liens qui sont indiqués ici. Vous pouvez faire des captures d'écran et vous avez tout ce qu'il faut pour vous inscrire directement sur digitalandco.ma. Voilà pour mon pitch. Avant de vous quitter, je vais peut-être donner un dernier mot à notre invité, peut-être un mot de la fin. On espère vraiment vous retrouver, Christian, dans un avenir très, très proche, que ce soit en mode webinaire ou en mode présentiel, comme on a fait il y a 3 ou 4 ans. Merci, merci de cette invitation. Oui, c'était très, très intéressant de pouvoir échanger. Ben, le mot de la fin, c'est il faut croire à l'avenir, car je suis absolument persuadé que l'avenir nous réserve de belles propositions et des horizons réveillés et déconfinés. Voilà. À bientôt, tout le monde. À bientôt. Merci Christian. Au revoir. Au revoir tout le Voilà. monde.